J'ai pris la route ce matin à 6h et il est bientôt midi. Je commence à avoir faim. Il ne me reste qu'une centaine de kilomètres à faire. Je vais m'arrêter pour manger quelque chose. J'ai téléphoné à Thomas hier soir et il était tout fier de m'annoncer que ça faisait 115 jours qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Son précédent record était 256 jours. Il m'a dit qu'il passait la soirée à Lausanne et qu'il serait à Pontarlier aujourd'hui à 15h. Mais avec lui, rien n'est jamais certain. Ça y est, j'y suis. 14h25, parfait. Tiens, on dirait la voiture de Simone. Je vais me garer derrière. C'est bien ce que je pensais. Cette chère Simone est là aussi. Mon pauvre petit Thierry, quel malheur! Que se passe-t-il, Simone? C'est affreux, c'est vraiment terrible. Il est arrivé quelque chose à mon père? Oh mon Dieu, mais bien sûr, tu n'es pas au courant. C'est arrivé vers midi. Ton père nous a quittés, mon pauvre Thierry. C'est à peine croyable. Il nous a donné rendez-vous à moi et à Thomas aujourd'hui à 15h. Je ne savais pas que vous deviez venir ici tous les deux. Il ne m'en a jamais parlé. Je suis tellement désolé, mon pauvre Thierry. Tout ça est si rapide. Si j'avais su que vous veniez, toi et Thomas, je n'aurais jamais demandé qu'ils emmènent le corps au funérarium. Pas de problème, Simone. Vous avez bien fait, c'est mieux comme ça. Qu'est-il arrivé exactement? J'avais préparé une croûte aux morilles pour midi et nous allions passer à table. Il est descendu chercher une bouteille de savagnin à la cave. Il a dû faire un malaise dans les escaliers et il s'est écroulé devant le casier à bouteille, mort. Mon Dieu! Le docteur Gravier est arrivé 20 minutes plus tard, mais il n'y avait plus rien à faire. Incroyable! La nouvelle de son décès va se répandre comme une traînée de poudre. C'est sûr. Des milliers de personnes vont vouloir lui rendre un dernier hommage. C'est évident, après 40 ans passés au service de la communauté. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il serait mieux au funérarium. Si j'avais su. Vous avez bien fait, Simone, ne vous inquiétez pas. Je n'aurais jamais voulu revivre les mauvais souvenirs de mon enfance quand des centaines de personnes ont défilé dans le salon pour voir le cercueil de ma mère. Merci Thierry, vous me soulagez. Je viens juste de fermer la maison et j'allais partir au funérarium. Vous voulez que je vous donne mes clés? Non, vous pouvez les garder, j'ai les miennes. J'attends Thomas et on passera au funérarium en fin d'après-midi. D'accord. À tout à l'heure. Je n'en reviens pas. Il nous écrit il y a une semaine pour nous dire de venir le voir le jour de son décès. Difficile de croire à une coïncidence. Il devait sentir que la fin était proche. Je vais jeter un coup d'œil dans son bureau en attendant Thomas. Quelle montagne de papier. Voyons voir ce qu'il y a dans ses boîtes. Mon Dieu. C'est pas possible.